Alors, ensuite, donc nous avons fait cette première étape. Deuxième étape, où il s'agit tout simplement de venir poser ces motifs par l'ajout de ce qu'on appelle des textures. Les textures, donc je les ai ouvertes à côté. Donc voilà les deux textures qu'il y a. Alors je vous les mettrai en lien sous la vidéo. Hop, donc je vais venir copier la première. Alors juste, on va relire un petit peu le tuto qui nous dit juste de placer les textures et de les mettre en mode division. Alors, hop, tout simplement, je viens coller. Et puis, je suis ce qu'on me dit. Je clique ici pour changer le mode de fusion et je le mets en division. Voilà. Alors ensuite, je vais tout simplement m'amuser à faire tourner cette texture dans tous les sens pour trouver la position qui me convient le mieux. Donc pour ça, je viens cliquer, ou du moins je viens appuyer sur la touche CTRL et la touche T en même temps. Ce qui m'ouvre le panneau de transformation manuelle. Et après, je peux tourner comme je veux. Alors, je cherche mon 30%. Où est-il? Le voilà, le voilà, le voilà. Bien. Et puis je viens mettre alors je vais juste me raider une dernière fois des repères. Hop. Voilà. Alors que je vous explique. Ce qui se passe, c'est que, alors ça c'est une autre astuce pour continuer un peu sur cette histoire de focus sur le personnage. Il y a ce qu'on appelle, alors ce que vous allez souvent trouver dans les tutos et qui se trouve en langue anglaise, on vous parlera du flow. Le flow, tout simplement en français, c'est le flux. C'est tout ce qui peut amener ou tout ce qui pointe une direction vers votre personnage. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que voilà. Donc là, on a des traits qui, eh bien, qui amènent. Si on le suit, si on part de là, eh bien, tout simplement, ils vont pointer sur le personnage. Voilà. Pourquoi je les ai posés comme ça. Maintenant, si je viens prendre la deuxième texture qui est la suivante. Alors, je sais plus laquelle j'avais prise. Peu importe. Donc celle-ci. Si c'était l'autre, c'est bon. Donc c'est celle-ci la suivante. Hop. Je viens mettre comme tout à l'heure en mode division. Et puis pareil, je vais tourner. Alors, ce que je vais faire. Je vais venir me mettre comme ceci. Alors, ici, en fait, je fais exactement comme tout à l'heure. Ce qui se passe, c'est que je retrouve de nouveau des traits qui pointent vers mon personnage. Et je me suis arrangée aussi pour que je me retrouve ici avec une certaine luminosité et ce petit motif qui va venir compléter autour des fleurs, un petit peu comme une couronne. Donc si j'enlève, on voit bien ici. Hop, si je remets.
que on a une certaine luminosité. Par contre, ce qui ne va pas, c'est ça. Ici, on voit bien le bord de ma texture. Donc ça, c'est pas très joli. Je vais venir y mettre un masque de fusion. Alors, le masque de fusion, je le trouve ici. Donc je viens tout simplement cliquer. On voit que ça nous ouvre une nouvelle fenêtre ici, qui est le masque de fusion, qui est blanc. Et donc si je viens y déposer des petits coups de pinceau noir sur ce masque de fusion, et eh bien je vais tout simplement masquer, comme son nom l'indique, un élément de façon réversible. Hop, donc je prends mon pinceau, je vais lui mettre, pour que ça soit plus joli, des bords doux. Hop. Et alors, évidemment, j'ai pas pris du blanc et ni du noir. Hop. Ah oui, alors une dernière chose, je m'assure que l'encadré ici soit sur le masque. Comme ceci. Voilà. Donc on voit bien ici que j'efface de façon réversible, puisque si je viens prendre du blanc, je peux le faire réapparaître. Voilà. Et pour que ce soit complètement fluide et invisible, je vais plutôt m'amuser avec un dégradé et ici le dégradé linéaire. Hop. Alors, je suis allée un peu trop loin, ou c'est plutôt parce que c'est inversé. Il vaut mieux partir du noir vers le blanc. Hop, et voilà. Comme ça, c'est ni vu ni connu. Ok, donc maintenant les textures sont posées. Je vais quand même faire une petite modification ici, puisque je n'ai pas envie d'avoir ce trait là en plein milieu. Donc pour ça, alors voilà, donc c'était ce calque là. Pour ça, je vais juste venir le remettre en normal le temps que je fasse la modification. Je viens prendre l'outil tampon qui se trouve ici. Hop, donc je clique, je vérifie que je sois bien sur tampon de duplication et non pas de motif. Donc je prends deux duplications. Et ce qui se passe, c'est que je vais venir prendre. Non, j'appuie sur la touche Alt. D'ailleurs, ça me l'affiche. Je viens cliquer à l'endroit que je souhaite dupliquer. Hop. Donc c'est fait. Et maintenant, si je viens me déplacer ici, excusez-moi, donc si je viens me déplacer ici, on voit bien que ça a pris le motif que je souhaitais dupliquer. Hop. Alors, je vais juste baisser un peu la taille. Donc ici, je peux régler l'opacité et le flux. Hop. Donc je mets un flux qui est pas trop élevé, enfin, mais pas trop élevé pour que ma retouche soit fluide, enfin du moins qu'on voit pas de démarcation. Et puis ben, je clique. Hop, je suis allée trop loin ici. Et on voit la petite croix qui se déplace en même temps que ma brosse. C'est l'endroit qui va être dupliqué. Voilà. Donc maintenant que j'ai supprimé ça, je peux venir me remettre en division. Hop. Et je passe à la suite du tuto. Alors, donc on vient de finir cette étape-là. Maintenant, ce qui nous est conseillé, c'est de créer un nouveau calque et de venir mettre des splatters. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, ce sont des brosses de pinceau qui ont la forme de splatch de peinture. Donc ça, vous pouvez en trouver des millions et des millions. Hein, il suffit de. Alors je vais pas faire ça. Hop. Il suffit de taper Splatter Brush. Et là, vous avez vraiment tout ce que vous pouvez utiliser. Il y en a vraiment un paquet.
Il y en a qui sont directement sur DeviantArt. À vous de télécharger le fichier .abr et de l'installer sur votre Photoshop, comme vous avez pu le voir, pour ceux qui suivent les exercices. Dans l'exercice, créer un fond texturé avec des broches. Alors, donc moi, j'ai pris le temps d'en télécharger quelques-unes pour vous éviter cette étape un peu longue en vidéo. Donc voilà un certain nombre de broches que je peux avoir. Voilà. Alors le tuto est ici. Les premières broches semblent être des broches avec des petits splashes un peu ronds. Et oui, alors ce qu'on vous conseille, c'est de prendre une deuxième couleur dominante de votre personnage, mais dans deux tons, deux teintes différentes, enfin deux nuances différentes. Allons-y. Donc j'ai pris la couleur peau au départ. Je vais maintenant prendre. Alors, donc ça c'était la couleur peau. Je pense que je vais maintenant prendre le rose de la robe. On va voir ce que ça donne. Donc, je me crée un nouveau calque. Et puis. Hop. Donc le calque est dessus. En dessous. Bon, je vais le mettre dessus pour voir pour mieux voir et je viens déposer. Alors, pour un rendu plus aléatoire, dans l'icône de forme, ici que vous pouvez, s'il n'est pas ouvert, vous pouvez le retrouver dans fenêtre forme. Il y a dynamique de forme et vous pouvez faire varier l'angle. Alors, vous voyez qu'à chaque clic, la brosse est positionnée différemment. Voilà. Donc, je vais prendre une deuxième teinte un peu plus foncée.